Merci Philippe pour cette intervention. Merci Je vais te beaucoup. laisser souffler quand même 2 petites secondes avant qu'on passe aux questions pour nos internautes et puis pour les personnes qui sont présentes ici dans la salle, qui ont pas mal réagi à ton intervention et qui nous ont posé quelques questions. On en a sélectionné 5. Allez. La première, dans la formation du jeune joueur, pour toi, quand commencer l'apprentissage du pick and roll? À partir de quel âge? Et par rapport, dans la succession de la question, quel espace privilégier? Est-ce que privilégier l'axe chez les jeunes joueurs ou plutôt 45 degrés? Alors, j'aurais envie de dire, je vais répondre de deux façons. La première, vous l'abordez quand ils ont automatisé les fondamentaux. Parce que vous risquez d'avoir plus d'efficacité s'ils ont déjà automatisé le bon geste, parce que c'est que des histoires déjà de lecture. Donc, si on leur a transmis déjà les fondamentaux, on peut peut-être aborder. Alors après, moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas un entraîneur de jeunes joueurs. Mais ce que je sais, c'est que je l'ai dit, il faut les sensibiliser quand même au jeu du pick and roll. Donc, je pense qu'à minima, à partir de la catégorie des... Alors, moi, je ne sais plus ce que c'est, les U, je ne sais pas quoi. Moi, anciennement, c'était les cadets. Ouais, je pense qu'à minima, les cadets doivent aborder le jeu du pick and roll au plus tard. Voilà. Et puis, il y avait... Et justement, chez ces jeunes joueurs, plutôt dans l'axe ou plutôt 45 degrés sur le non, pick and roll? Qu'il faut, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. Si vous l'abordez dans l'axe ou sur le côté, bon, faites en sorte déjà qu'il maîtrise bien le pick and roll dans l'axe ou sur le côté, libre à vous, ça j'ai pas d'idée, mais en ce cas-là, abordez-le, maîtrisez-le bien dans l'axe et puis vous passerez sur le pick sur le côté ou inversement si vous voulez. Mais là-dessus, j'ai pas de... Pas de règle. Non. Question suivante. Qui dit attaque du pick and roll dit collaboration défensive. Lesquelles tu privilégies pour travailler les réponses offensives les plus intéressantes? Ah, on parle de défense. Ouais. D'accord. Quelle défense pour travailler offensivement? Au plus haut niveau aujourd'hui, mais vous êtes confronté à tous les types de défense de pick and roll. Alors je rappelle, pour info, vous avez 7 types de défense sur pick and roll. La défense en protection, la défense à plat, la défense edge, la trappe, le switch, le stick et j'en ai peut-être 7 déjà là, j'ai plus fait le compte. Ça veut dire qu'à un moment donné, bon, ça fait beaucoup beaucoup d'infos qu'à un moment donné on peut donner, alors faut pas donner tout ça aux jeunes. Moi à titre personnel, vous allez utiliser votre profil de défense, vous allez l'adapter aussi au profil des joueurs dont vous avez à disposition. Si vous avez, je ne sais pas, un grand qui est lent, ça ne va pas être simple, éventuellement, de lui demander de défendre sur des switches ou les défenses agressives de edge défense. Donc peut-être que vous allez privilégier la défense en protection. Inversement, si vous avez des intérieurs mobiles, vous allez peut-être privilégier le switch, la trappe, les défenses agressives, ce type de défense-là. Je pense qu'il faut s'adapter au profil des joueurs. L'évolution que moi j'ai donnée là sur les 2 dernières saisons que je n'avais pas l'habitude de faire, c'est qu'en fait on a travaillé défensivement en fonction, les joueurs s'adaptaient en fonction du choix que faisait le grand sur la défense du pick and roll d'une possession à l'autre. Donc des fois j'avais mon grand en protection, donc ça sous-entendait pour les 3 autres une adaptabilité sur les aides défensives. Inversement, des fois il passait en edge, en défense agressive, donc ça nous nécessitait là de... un positionnement différent des 3 autres joueurs. C'est intéressant, je pense, cette approche, parce que sinon, si vous êtes toujours sur le même type de défense, il y a rapidement une adaptation au plus haut niveau de savoir où, comment il faut jouer, où mettre la balle sur le pick and roll. Donc, il y a des équipes qui vont partir sur protection, qui, au bout de 3-4 minutes, vont passer. Et moi, j'étais passé plus dans l'idée qu'éventuellement, bah, c'est le grand qui va s'adapter et les 3 autres vont devoir. Donc, ça demande un peu de travail, mais voilà, c'est une évolution. D'accord. Merci sur cette question. Question suivante, il en reste 2. Est-ce que pour toi, les ouvertures d'écran doivent être standardisées ou plutôt laissées à l'initiative du poseur? Je pense qu'il y a 2 choses. Donc, soit vous avez une conception telle que je l'ai exposée par rapport au fait que vous allez rouler dans un petit espace ou rouler profond. Donc, j'ai privilégié engagé par rapport à long roll et puis effacé sur un short roll. Après, vous pouvez tout simplement, puisque j'ai dit que
l'équilibre était quelque chose de fondamental. Vous pouvez laisser au joueur, s'il se sent plus à l'aise sur un engagé pour être dans un bon équilibre, bah dans ce cas-là, laissez-lui faire de l'engagé. Si inversement, il est plus à l'aise, plus équilibré sur un effacé, bah dans ce cas-là, vous avez le choix. Il n'y a pas de règle. Après, il y a le joueur et vous, le coach, par rapport aux options que vous avez dans votre organisation. Dernière question, elle est un petit peu particulière. C'est un internaute qui la pose et qui demande à quand un livre sur les fondamentaux du jeu collectif offensif. C'est une demande, j'ai l'impression. Quand ça, même. Je suis persuadé que c'est quelqu'un qui me connaît un petit peu quand même pour qu'on me pose cette question-là. C'est une réflexion que je jette depuis longtemps. Voilà. Pour l'instant, bah, je les transmets au travers de colloques, ouais. Des cliniques, parce que maintenant, j'ai le sentiment qu'on a un public qui est plus réseaux sociaux, Facebook, les vidéos, tout ça, que lecture. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai pas un talent d'écriture. Voilà, c'est comme ça. Si j'étais Johan Plaza, Johan, il a écrit des livres. Il a un vrai talent d'écriture. Moi, ce n'est pas ma qualité première. Je suis plus à l'aise avec la parole qu'avec l'écriture. Donc, ça me pose aussi un peu problème de me dire, alors, il faudrait que j'ai un, entre guillemets, un, je sais pas comment on appelle ça. Quelqu'un pour t'aider là-dessus. Voilà, je ne vais pas l'appeler par le nom qu'on a l'habitude de dire dans ces cas-là. Mais il faudrait que j'ai quelqu'un, oui, qui est un journaliste, un peu cette structure. Voilà. Je suis structuré pour expliquer quelque chose par la parole. J'ai beaucoup plus de difficultés avec l'écriture. Merci beaucoup, Philippe, pour ces deux interventions. Les personnes qui sont ici, je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier pour ces deux interventions de qualité. Merci à vous.